Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui et je suis vraiment content de reposter à nouveau sur cette chaîne et je vais essayer de m'y tenir un petit peu plus régulièrement parce que ça fait quand même un sacré moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne et j'ai remarqué quand je regarde un petit peu les statistiques, c'est vrai que au début de YouTube, je regardais pas trop les statistiques parce que je faisais pas ça de façon. Mais je viens de découvrir qu'il y avait pas mal d'outils qui me permettaient de savoir un petit peu ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, qui vous étiez, qui vous n'étiez pas, d'avoir un petit peu plus d'informations sur les gens qui regardent justement les vidéos de cette chaîne. Et j'ai remarqué que ce qui vous plaisait vraiment, c'était surtout les vidéos où je démontre des choses, des techniques, ou alors les vidéos où j'utilise des produits et où je les mets en avant et j'explique bien comment ils marchent. Et donc ça tombe bien parce que là aujourd'hui, j'ai reçu de la part de Générique, un colis qui contient un nouveau type de lissage kératine. Je dis bien un nouveau type de lissage kératine parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez novateur et on va voir pourquoi dans la partie d'après. Petite info importante au vu de l'actualité en ce moment, donc j'ai décidé de reverser. Alors, avec YouTube, je touche de l'argent. Forcément, c'est un secret pour personne. Quand on est éligible au programme partenaire YouTube, on est rémunéré pour les vidéos qu'on poste sur la chaîne. Et du coup, j'en fais partie. Donc, ça veut dire que tous les mois, que je poste ou je ne poste pas d'ailleurs, je suis rémunéré pour les vidéos qui sont sur la chaîne. Et j'ai des outils avec une façon de voir quelle vidéo me rapporte quoi et sur quelle période. Et il y a des vidéos qui ont plutôt très, 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 très bien marché sur la chaîne. Et pour ça, je vous en remercie. D'ailleurs, je vous remercie aussi pour le million de vues qui est presque acté là. On est à quelques vues, donc peut-être au moment où la vidéo va être publiée, on devrait y être. Et puis pour les 12 000 et quelques abonnés là, c'est vraiment ouf, c'est vraiment super de votre part. Donc merci, merci, merci. Et donc du coup, pour fêter tout ça un petit peu, et puis surtout pour agir un petit peu sur l'actu et essayer de faire un petit peu quelque chose tous ensemble, et je sais qu'en général, les coiffeurs, on est plutôt solidaires quand il y a quelque chose d'important à faire, j'ai décidé d'utiliser tous les gains de cette vidéo pour aider à la reconstruction de l'Ukraine une fois que la guerre là-bas serait terminée, pour leur permettre justement de reconstruire tout ce qui aura attrait à la coiffure. Donc soit leur permettre de se réapprovisionner en stock, soit de reconstruire peut-être des salons de coiffure. Ça va dépendre du niveau d'argent qu'on aura obtenu grâce à cette vidéo. Et pour complémentariser un petit peu, parce qu'une vue sur une vidéo, c'est quelques centimes. Donc du coup, j'ai mis aussi en ligne une cagnotte Litchi que je viens seulement de mettre en place. Tu peux aller la rejoindre et puis rajouter 1 ou 2 € si ça te dit. Comme ça, du coup, plus on aura d'argent, plus on pourra agir. Pour faire gagner de l'argent sur YouTube sur une vidéo, il n'y a pas 36 millions de solutions. Il n'y a que quelques solutions efficaces. Il suffit simplement d'interagir avec la vidéo. Pour interagir avec la vidéo, c'est très simple. Le plus important, le plus important pour YouTube, c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc ça veut dire que si tu n'es pas coiffeur et que tu as envie d'aider, tu peux laisser la vidéo sur ton téléphone tourner jusqu'à la fin et puis tu reprends ton téléphone après, il n'y en a pas pour long et ça aidera beaucoup. Si tu es coiffeur et que la vidéo t'intéresse, ben, ça ne devrait vraiment pas être un supplice pour toi. Deuxième façon, c'est de liker la vidéo et de commenter. Ça, c'est des choses hyper importantes. Les likes ou les dislikes, c'est quelque chose qui est hyper important sur YouTube parce que ça crée de l'interaction et YouTube adore l'interaction. Les commentaires. Plus tu mettras de commentaires, tu poses une question en commentaire, j'y réponds, tu réponds, je réponds, je réponds. Ça nous donne une foule, foule, foule de commentaires, ce qui fait qu'on aura une réelle interaction et donc du coup qu'on pourra réellement mettre en avant la vidéo. Et bien entendu, les partages de la vidéo sur tous les réseaux sociaux, c'est le must pour engranger un maximum de vues. Et je tiendrai parole et je ferai une vidéo hein, au fur et à mesure avec des petits shorts. Il y a un nouveau format sur YouTube, c'est les shorts, c'est un petit peu le TikTok de YouTube. Où je viendrai expliquer un petit peu ce que la vidéo m'a rapporté et donc du coup ce que je vais pouvoir utiliser lorsque les conditions le permettront. Voilà, donc maintenant, merci de m'avoir écouté mon petit speech jusque-là, on va passer à l'essentiel. Donc du coup, j'ai reçu de la part de Générique un petit colis. Voici le kit de lissage BBR. Une fois de plus, toute l'équipe Générique te remercie pour ta participation. Donc du coup, le lissage BBR, il se présente comme cela. Donc du coup, on va déjà l'utiliser en première partie de vidéo, là. Alors, en fonction de la durée de la vidéo, pour pas te saouler trop longtemps, ce que je vais faire, je vais peut-être la scinder en 2 vidéos. Tu verras à la fin, si je le mets en 2 vidéos, il y aura une suite. Là, tout de suite, je ne sais pas encore. Hein. Donc, c'est pour ça que je te préviens. Ce sera soit en une vidéo et puis avec les tips à la fin, soit je fais la vidéo sur le lissage et après je te donne une deuxième vidéo avec tous les petits tips, justement des services barbe, des services un petit peu plus speed, pour te permettre d'utiliser ces produits, de les proposer à un plus grand nombre de clients, d'élargir ta carte de prestation de service et donc du coup d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc ça se présente comme ça, j'ai un shampoing clarifiant
et un soin lissant à la kératine. Donc du coup, je te laisse avec le générique et on se retrouve après le générique pour parler de tout ça. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de ces cheveux. C'est les cheveux sur lesquels j'avais fait la technique dans les bureaux de générique le 13 décembre. Et là, on est début mars. Et comme tu peux voir, on n'a rien refait depuis. La couleur a quasi pas bougé. Un petit peu éclaircie, mais franchement, elle n'est pas dégueulasse du tout. Elle a bien vieilli. Et ça avait été réalisé, je ne sais pas si tu avais vu le live de générique dans lequel j'ai réalisé cette technique. C'était, bah, tu peux le retrouver facilement sur la page justement Facebook de générique aux alentours du, enfin, le 13 décembre exactement. Et voilà, donc le seul truc, c'est que en shampoing quotidien, ce qui avait été utilisé, c'est le shampoing à la kératine et les masques à la kératine. Et comme tu peux voir, ben, du coup, ça a quand même bien, bien, bien aidé la couleur à tenir. Et là, aujourd'hui, c'est sur ce cheveu qu'on va réaliser le lissage à la kératine de générique. La première étape de ce lissage, c'est le shampoing clarifiant. Donc là, je pense qu'on a quand même pour plusieurs shampoings. Donc on va réaliser le shampoing. Et on réalise un deuxième shampoing. Et on utilise les serviettes magiques de chez Générique pour essorer le cheveu. Que voilà les amis, on a fait le shampoing, voilà le cheveu un peu comment il est. Donc voilà, une fois qu'on a fait le shampoing, on démêle bien la chevelure avec une brosse démêlante, pneumatique ou n'importe. Et on va séparer la tête en quatre zones distinctes. Donc, comme tu peux le voir, quatre séparations, les deux de l'arrière sur les côtés et les côtés avec une séparation au milieu. Voilà. Donc, et ben maintenant, on va voir un petit peu comment on s'y prend. Donc, on va faire chaque séparation l'une après l'autre. On va prendre des séparations d'un centimètre. On va monter progressivement et on va appliquer le produit à partir d'un centimètre en le tirant. Et il faut bien penser à mettre des gants pour le faire. Donc, à mon sens, l'idéal pour l'appliquer, ça va être d'utiliser un biberon. À moins que Générique prévoie de vendre des petites têtes biberon pour ce produit. Et je vais déjà commencer par utiliser 40 grammes. Donc là, le tube, il fait 100 millilitres. Je vais déjà prendre 40 grammes. 100 millilitres, ça fait pas 100 grammes. Là, je fais 40 grammes parce qu'avec les lissages kératine, en général, c'est la dose à partir de laquelle je calcule ma facturation. Voilà, on est à 40 grammes de produit. On ferme. Comme je te l'ai dit juste avant, on met des gants. Non pas que le produit risque de te brûler, mais bon, à la longue, ce genre de produit, ça peut au moins créer des allergies, des problèmes, et ce serait dommage que tu ne puisses plus coiffer parce que tu as été négligent. Et donc du coup, on prend des séparations d'environ 1 cm. Et on vient mettre du produit sur la mèche
pour la détendre jusqu'à 1 cm du cuir chevelu. On ne touche pas le cuir chevelu. Et on fait pénétrer. Et donc, après, on fait pareil avec les mèches du dessus. Et donc ensuite on fait pareil ici, des séparations d'un centimètre d'épaisseur. On fait bien pénétrer le produit. On lisse bien la mèche. Et on passe à la suivante. Maintenant, on fait la même chose sur l'avant. Et maintenant, la dernière partie.
Donc voilà les amis, une fois qu'on a appliqué le produit partout, on va le laisser agir 40 minutes là parce qu'on a un cheveu qui est coloré. Donc il a été patiné, il était méché et patiné. Donc on va le travailler comme un cheveu coloré 40 minutes. Et là maintenant on va rincer rapidement le soin. Et donc on rince, ça va la température? Ouais. On rince bien bien bien. On enlève bien tout le produit. Comme on est dans une vidéo de démonstration, on va vraiment respecter la théorie. Donc on va rediviser la tête en 4, comme stipulé dans la notice. Après, quand tu le fais toi-même, je te cache pas que le brushing, tu peux le faire vraiment comme tu as envie, surtout si ça te permet de gagner du temps. Mais voilà, on va faire exclusivement comme c'est dit dans la notice. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir d'autres types, d'autres façons d'utiliser ce produit pour en faire vraiment ton allié au quotidien. Et donc du coup, on va commencer à travailler en brushing. Ah ouais, ah oui, ton cheveu paraît plus épais. Tiens. Donc comme je disais à l'instant, on voit que le cheveu est quand même bien gainé. Rien qu'après le brushing, ça n'a pas du tout entaché la couleur, contrairement à des frisages ou à certains service formes. Donc les lissages kératine en général n'entachent pas la couleur. Donc voilà ce que ça donne après le brushing déjà. Voilà. Voilà. Je ne vais pas plus travailler que ça, étant qu'on va passer les plaques derrière. Mais on voit déjà que le cheveu est bien lisse, bien soyeux. Et maintenant, on va donc passer les plaques. Donc dans la notice, comme tu as pu le voir, si tu as déjà le produit, ou alors si tu l'as pas encore vu, bah, je vais te le dire. Les plaques, c'est 10 passages par mèche à 200 degrés. Sur des cheveux méchés colorés, donc comme ici, donc là nous on sera à 10 passages à 200 degrés et à 230 degrés sur un cheveu naturel. Voilà, donc on va rediviser la tête en 4 comme avant et on va passer les plaques. Non, c'est rapide. Et donc on va prendre des séparations d'un centimètre. Et on va faire 10 passages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend 1 cm et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
1, 2, 3, 4, 10. Et 10. Et donc voilà le résultat du lissage à la kératine de chez Générique. Comme on peut voir, le cheveu est quand même bien bien réparé, il est plus dense, il est bien lisse, bien brillant.
Et donc les amis, voilà le résultat qu'on a obtenu sur le lissage kératine. Et donc compte sur moi pour refaire des petites vidéos de temps en temps pour te dire comment il aura vieilli à la maison, parce que justement je vis avec ses cheveux à la maison tous les jours, puis avec ce qui est avec, mais voilà. Et donc comme tu peux le voir, on a vraiment une extrême brillance. Donc et bon, on valide. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu valides ou pas ce type de lissage. Et si tu as des questions, pareil, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire pour que je puisse venir y répondre. Donc voilà, maintenant tu as vu que ce lissage kératine était quand même plutôt simple à réaliser. En tout cas, que le protocole n'était pas sorcier et qu'il a apporté un peu de tout le monde si on respecte bien certaines règles bien précises. Maintenant, on va parler un petit peu de l'entretien à la maison. Donc du coup, pour l'entretien à la maison, il y a quelque chose de très très important à savoir, c'est qu'il va falloir que pendant 48 heures, la cliente ne se lave pas les cheveux du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais pendant ces 48 heures, ce qui pourrait être opportun, c'est que tu lui conseilles de passer les plaques dans ses cheveux à 20 à 30 degrés moins chaud que ce que tu as utilisé pendant le service. Ça veut dire que si ta cliente a les cheveux colorés méchés et que tu as utilisé 200, conseille-lui entre 170 et 180, alors que si elle avait les cheveux naturels, qu'elle soit plus entre 190 et 200. À la maison, et bien sûr avec parcimonie, elle ne refait pas le lissage complet. Elle passe vraiment pour réchauffer un petit peu, réactiver le côté thermoactif de ce type de lissage. Ensuite, une des règles fondamentales des lissages kératine, c'est l'utilisation de shampoings sans sulfate à la maison. Il faut absolument que le shampoing que ta cliente utilise soit sans sulfate et, si possible, qu'il soit enrichi en kératine. L'idéal dans ce cas de figure, étant donné qu'on travaille avec générique, eh ben, de conseiller les produits chez générique qui seront le plus adaptés pour ce lissage, ce sera la gamme Bébé Hair Care à la kératine, donc le shampoing à la kératine et le masque à la kératine, que je t'invite à inclure directement dans ton forfait lissage kératine. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'à la maison, la cliente a les produits qu'il faut pour garantir la durée de vie du lissage kératine. Une fois que tout ça c'est acté, ça c'est les principes de base, il va falloir aussi que tu sois en phase avec ta cliente et que tu lui expliques bien que pour que tu puisses garantir la durée de vie de ton lissage, il faut qu'elle respecte ces règles. C'est hyper important parce que c'est pas elle vient se plaindre dans 3 semaines si elle a fait n'importe quoi à la maison. C'est une évidence, mais dans la tête de tes clients, ce n'est pas forcément logique. Donc, c'est vraiment à toi, en tant que professionnel, de venir lui apporter cette information et de lui expliquer justement ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Comme ça, derrière, au moins, eh ben, tout le monde sait ce qu'il a à faire et les choses se passent généralement le mieux possible. Bien entendu, pendant la durée de vie du lissage kératine, les décolorations sont totalement proscrites, étant donné que la décoloration et le lissage ne sont pas compatibles. Par contre, tout ce qui est travail de mèche, coloration, patine, ton sur ton, tout ça c'est totalement réalisable. Je pense, alors après pour l'instant le produit sort à peine, j'ai pas vraiment beaucoup de recul, mais au fur et à mesure du temps j'aurai de plus en plus de recul, et s'il faut revenir sur ce que je viens de dire là dans cette vidéo, je le dirai à la fois dans les commentaires et je le redirai en vidéo. Mais je pense que le mieux c'est que tout ce qui est ton sur ton ou patine, ça peut très bien être réalisé le même jour avant le lissage à la kératine, étant donné qu'il n'y a aucune réaction d'oxydation dans ce type de lissage. Je vois pas vraiment là où ça pourrait poser problème. Et en plus, j'ai bien vu, et tu l'as bien vu dans le lissage, la coloration des cheveux n'a pas du tout été altérée. Il faut savoir que la patine qui a été faite sur les cheveux qu'on vient de lisser avait été faite le 13 décembre. Et on est début mars. Donc ça fait presque 4 mois. C'est quand même déjà pas mal pour juste une patine. D'ailleurs, si tu veux voir la coloration, tu peux aller sur la page de Générique Paris sur Facebook. Tu regardes, tu recherches jusqu'au 13 décembre, tu verras le live. Et puis le lendemain, il y a eu les résultats de postés à la fois sur Facebook, Instagram ou TikTok, hein, si tu as un réseau social préféré. Bref, donc tu as bien vu qu'après et avant, la coloration n'a pas bougé. Donc tout ce qui est ton sur ton patine, le jour même, il n'y aura aucun problème. Par contre, pour tout ce qui est colorant d'oxydation, on a dans le lissage kératine, on a un composant qui s'appelle l'acide glyoxylique. Donc on reviendra tout à l'heure, hein, sur les composants du lissage. Étant donné que c'est pas un acide thioglycolique, mais on sait pertinemment par expérience, et on l'a appris à l'école quand on était jeune, que l'acide thioglycolique et la coloration d'oxydation, c'est pas le même jour. Voilà, ça c'est une évidence. Les forces d'oxydation derrière une réduction,
il faut qu'elle soit quand même relativement mesurée. C'est pour ça que quand on fait une permanente ou un défrisage, on a un oxydant derrière le fixateur et on peut faire encore à la limite derrière encore un ton sur ton. Mais voilà, il faut vraiment que ça reste dans une certaine mesure. L'acide glyoxylique, c'est très très difficile à prononcer, hein. C'est pas aussi fort que l'acide thioglycolique, c'est pas tout à fait la même chose du tout, mais ça a à peu près le même effet. Et du coup, je pense que si on travaille un 20 volume juste avant et tout ça, eh ben, on risque d'aller dans des surprises. Donc, moi personnellement, pour l'instant, bah, j'ai pu voir que tout ce qui est ton sur ton, tout ça, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui est coloration d'oxydation, bah, je pense que pour l'instant, le plus sage, ce serait d'observer un délai de 7 jours. Et pour tout ce qui est travail de mèche, 14 jours. On se base vraiment sur les règles de la permanente et du défrisage. Et puis au fur et à mesure où le temps va passer, et puis où j'aurai de plus en plus de recul, je reviendrai sur ce que je viens de dire là, et je te dirai un petit peu comment j'ai ressenti les choses. Donc en attendant, voilà. Tu peux très bien réaliser une patine ou une coloration ton sur ton avant le lissage, et après tu fais ton lissage. Ça ne va pas altérer ta couleur. Tout ce qui est coloration d'oxydation, bah, tu l'as fait soit avant, 7 jours avant, soit 7 jours après. Ça n'altérera pas non plus la qualité de ton lissage kératine. Et tout ce qui est travail de mèche, eh ben c'est 15 jours avant ou 15 jours après. Ça laisse vraiment le temps aux cheveux de se remettre du service qui a été effectué pour pouvoir proposer le suivant. Donc voilà un petit peu sur l'entretien. Donc pas sorcier, mais voilà, quelques petites règles à respecter. Pour les notions de coloration et les délais à respecter, c'est pour l'instant. Sans avoir trop de recul parce que le produit sort à peine. Une fois qu'on prendra un peu de recul et qu'on prendra un peu plus nos marques avec le produit, qu'on l'aura essayé dans différentes configurations, on aura plus de recul, on pourra vraiment voir un petit peu plus comment ça se danse, comment ça réagit, comment les choses se font. On pourra même expérimenter des trucs sur des mèches test et tout ça. Et du coup, on aura des informations un petit peu plus solides, on aura de l'expérience un peu plus solide pour revenir là-dessus. Donc, n'hésite pas à aller lire les commentaires si j'ai été apporter des modifications ou des précisions à ce sujet-là. Et si tu as, toi, des remarques ou des questions, ben, n'hésite pas aussi à utiliser l'espace commentaire pour faire avancer un petit peu ce point en particulier. Donc maintenant, comme on l'a dit un petit peu avant dans la vidéo, on va s'attaquer à la composition du lissage. Donc ce lissage, il a une composition plutôt safe, hein, c'est un lissage kératine, avec la particularité d'avoir un agent qui va venir modifier la structure chimique du cheveu pour pouvoir redonner derrière la forme qu'on veut. Ça signifie que par rapport à beaucoup de lissages qu'on peut retrouver sur le marché, il a vraiment un rôle de réducteur de volume, de réducteur de forme. Pas réducteur au sens de la permanente, enfin presque quoi, presque quand même. Donc il a vraiment un rôle de réducteur de volume et de réducteur de forme, mais presque dans les deux sens. Du coup, ce que ça va nous permettre d'avoir, c'est d'avoir des lissages qui soient encore plus faciles à coiffer derrière. Et comme tu as pu le voir dans le résultat, sans perdre en qualité, sans perdre en brillance, sans rien de tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Par rapport à d'autres lissages que j'ai pu tester aussi au cours de ma vie et que j'utilise normalement, habituellement, avant que celui-là sorte, là on a affaire à une vraie kératine. Du coup, j'ai l'impression que l'affinité est quand même améliorée au niveau de l'accroche avec le cheveu. Mais bon, bah, j'ai pas des yeux qui voient au niveau microscopique, donc voilà, c'est vraiment du feeling, c'est de l'impression. Donc c'est ma première impression là à chaud. À côté de ça, ben voilà, on va faire un petit peu le point justement sur ce qui compose ces lissages kératine. Donc en premier, de l'eau, comme dans beaucoup de cosmétiques, ce qu'il y a en plus grande quantité dedans, c'est de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur solvant qui existe et qu'en tout cas on est sûr à 100% de ce solvant-là pour mélanger tout le reste. Et ensuite, on a justement ce fameux acide glyoxylique, attends, je relis. Acide glyoxylique. Donc c'est lui qui va venir modifier la structure interne du cheveu en vue justement de lui redonner derrière la forme que tu souhaites. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où là, on l'a utilisé pour lisser le cheveu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour faire autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer certaines concentrations dans le produit et en augmenter d'autres pour en faire un service plus? Ça, c'est des trucs qu'on va voir après dans les tips et je suis sûr que ça va te plaire et ça va te permettre avec le même produit, comme je te le dis, moi je le fais déjà avec d'autres lissages depuis bien longtemps, ça va te permettre de créer des petits services
qui seront assez intéressants pour pouvoir développer ta carte des services et augmenter ton chiffre d'affaires, proposer encore plus de choses à ta clientèle. Et puis comme c'est nouveau, bah, du coup, ça risque de bien leur plaire. En tout cas, moi, je peux te garantir que c'est des trucs qui marchent plutôt bien. Ensuite, on a un autre petit agent qui va venir aider à la modification interne du cheveu. Parce que justement, vu qu'on n'a pas des produits hyper chimiques, hyper forts, qui viennent tout de suite démonter la structure comme l'acide thioglycolique dans la permanente, eh ben, on a quelques petits agents qui viennent se donner des petits coups de main. Et on en a un deuxième qui a le même nom presque, le glyoxylyloyl hydrolyzed whitium protéine sérine. Alors il va venir aussi aider un petit peu à la modification de la structure chimique du cheveu, mais surtout il va aussi avoir un rôle de conditionneur en adoucissant et en assouplissant un petit peu la fibre capillaire. Et avec celui-là, avec ça, on va rajouter un petit peu de glycérine pour justement continuer à adoucir et assouplir la fibre capillaire. Après, on a des conservateurs et des tensioactifs qui sont là ben, pour éviter que le produit ne tourne trop vite et puis pour avoir une meilleure homogénéité du produit, pour avoir quelque chose qui puisse se travailler relativement simplement et qui puisse aussi, parce que je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il faut le rincer le produit, donc du coup il faut quand même qu'il parte à l'eau du rinçage, donc du coup ces tensioactifs là vont être assez pratiques pour ce point de figure, pour éviter justement d'avoir beaucoup de produits sur le cheveu comme beaucoup de lissage kératine et d'avoir des nuages de fumée des fois ingérables à l'intérieur du salon. Là, grâce à ça, on évite par contre aussi ce nuage de fumée et c'est un vrai point fort. On a un conservateur antimicrobien, le phénoxyéthanol, qui est là pour éviter qu'il y ait un développement microbien à l'intérieur du produit qui puisse créer des infections sur tes clientes, ce qui serait vraiment un gros problème. Donc là, justement, c'est une sécurité, mais ça, c'est normal. On a aussi dedans de l'huile d'argan directement extraite du noyau, et qui vont venir justement pour adoucir, assouplir et maintenir surtout l'état du cheveu. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un cheveu qui est hyper brillant, hyper safe, une fois qu'on a fini, parce que c'est un petit peu grâce à ça aussi. Et ben, naturellement, dans un lissage à la kératine, on a de la kératine. Et là, on a une kératine animale avec une très forte affinité avec le poil, ce qui fait qu'elle va vraiment bien s'accrocher. Et si ta cliente entretient bien son lissage à la maison, comme on l'a vu dans le point précédent, eh ben, on va avoir vraiment un super résultat. Et une super tenue de ce résultat grâce justement à cette kératine. Voilà, donc on a fait un peu le tour pour la composition. Le reste des petites lignes sont là, mais à des 0,3 ou 4%. Donc, pas super intéressant. Il y a du parfum, et, enfin voilà, plein de petites broutilles aussi à côté. Voilà, donc voilà un petit peu pour grosso modo les composants de ce produit. Et dans l'ensemble, selon le site INCI, tout est plutôt bien, voire favorable. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Par 1, le chlorure de cétrimonium, qui est classé selon l'INCI comme pas terrible, mais faut savoir qu'il est présent dans 50% des lissages, justement, qu'on utilise sur le cheveu. 50% des lissages. Pas spécialement lissage kératine, tout ça, machin. 50% des lissages. Et quand c'est pas terrible, ça va, c'est qu'ils sont quand même assez alarmistes. Donc du coup, s'ils disent que c'est pas terrible, bon bah c'est sûr que c'est pas le meilleur truc à prendre, mais un lissage à la kératine, on le fait pas non plus tous les jours. Eux, quand ils classifient, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à l'utilisation prolongée sur un être vivant. Donc hormis ça, toute la formule est plutôt safe, donc faire un produit qu'on peut utiliser en toute sécurité. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au point fort et au point faible de ce produit. Et on voit ça tout de suite. Donc, pour ma part, les points faibles, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser sur un cheveu décoloré, sur une tête décolorée entièrement. Donc, ça, c'est un petit peu problématique aujourd'hui, étant donné qu'on a quand même pas mal de gens qui ont les cheveux totalement décolorés. Mais voilà. Deuxième inconvénient pour moi, c'est la taille du packaging. Moi, je trouve que le packaging est petit. J'étais habitué à des bouteilles beaucoup plus grosses pour mes lissages kératine. Ce qui me permet justement de ne pas être en stress si je vois quelqu'un arriver avec des cheveux longs. Là, ça va m'obliger à avoir un stock de petites bouteilles, à moins que Générique ait prévu de commercialiser ce type de lissage dans des plus gros formats, ce que j'ignore pour l'instant. Donc du coup, et puis peut-être que des petites bouteilles, ça va être un avantage pour toi, mais pour moi, c'est un inconvénient. Voilà, donc c'est le deuxième inconvénient. Et le troisième inconvénient que j'ai relevé, enfin ce que j'ai considéré comme un inconvénient, bah c'est le temps de pause aussi. Même si ça n'empêche pas de faire autre chose, de faire du business à côté, bah j'ai trouvé que c'était plutôt contraignant d'avoir un temps de pause au milieu d'un lissage kératine, mais
Voilà. C'est comme tu vois, c'est trois inconvénients qui sont pas non plus de ouf. Et maintenant, on va avoir un petit peu les avantages de ce lissage kératine pour voir si on le valide. Hein. On fait le pour, on fait le contre. Et dans les avantages, je trouve qu'il est assez facile à appliquer. Le produit, on peut l'utiliser au biberon ou au pinceau. Hein. Donc moi, tu as vu dans la vidéo, je l'ai utilisé au biberon. Donc il est assez malléable, assez facile à travailler et tout ça. Donc c'est quand même un plus et il sent bon. Donc c'est plutôt cool. Hein. Franchement, c'est vaut mieux travailler avec des produits qui sentent bon que des produits qui sentent mauvais, surtout en technique. Deuxième point, c'est que le protocole est quand même relativement simple et facile à comprendre et facile à mettre en œuvre. Hein. Comme tu as pu le voir, il y a juste deux distinctions, cheveux colorés méchés ou cheveux naturels. Donc voilà, faire la part des choses, c'est quand même relativement simple. Faire le diagnostic est hyper facile. On ne le fait pas sur cheveux entièrement décolorés ou sur des cheveux qui ont subi vraiment non plus des techniques de fou, hein, pour être sincère. Technique permanente, 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 machin. Voilà, enfin, si le cheveu te semble vraiment en piteux état, vaut mieux pas foncer. Notre avantage, alors c'est des avantages pour moi bien sûr, c'est la vraie réduction des mouvements. Je trouve que surtout là où l'été va bientôt arriver, avoir quelque chose qui réduit vraiment autant les mouvements, qui casse vraiment le mouvement comme ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment permettre aux gens, surtout en sortie de plage et tout ça, de se recoiffer assez rapidement et de penser que ce lissage est vraiment le meilleur lissage qu'ils aient pu avoir. Et je suis prêt à parier que c'est le genre de réflexion qu'on risque d'avoir une fois qu'on va commencer à le commercialiser. Je suis assez content pour ça et j'ai hâte de voir un petit peu tout ça, de voir un petit peu le ressenti des gens quand ils l'auront sur la tête sur le long terme et de voir aussi à la maison là comment le lissage va vieillir au fur et à mesure des jours, si le cheveu va rester brillant, s'il va rester lisse, si ça va vraiment être plus facile à coiffer, si ça va vraiment aller plus vite. Et tout ça, bien entendu, je ne manquerai pas de tenir la communauté informé, donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je le mettrai dans une story et tout ça de temps en temps pour montrer un petit peu comment le lissage vieillira. Et donc du coup, bah, si tu veux savoir, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Autre avantage aussi, c'est qu'il y avait vraiment très 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 peu de fumée pendant le travail. Et donc du coup, ça c'est comme on l'a vu dans les points sur la composition, les points précédents, c'est grâce justement au tensioactif et au fait de devoir le rincer. Donc le temps de pose qui était un inconvénient tout à l'heure se transforme presque en avantage parce qu'on laisse poser, on rince, ça donne une autre dimension, ça donne une autre façon de le travailler et c'est à mon sens plutôt intéressant de ce point de vue-là au niveau de la fumée parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est peut-être que psychologique, peut-être que c'est faux, mais en tout cas j'ai l'impression d'avaler moins de substances quand je travaille que quand on a des lissages qui fument beaucoup. Et Dieu sait ceux qui font des lissages, qu'il y en a certains, c'est affolant la fumée qu'ils font. Et moi je te cache pas que c'est un des critères de choix quand je choisis la marque avec laquelle je travaille. Moi les marques avec lesquelles je fais mes lissages pour l'instant, on n'a quasi pas de fumée. Donc c'est quand même plutôt agréable et de super odeurs aussi. Il y a un autre avantage aussi, c'est que vu la composition, comme on l'a vu juste avant, on n'est pas vraiment sur un lissage des frisages kératine. On n'est pas obligé de lisser. On peut très bien faire d'autres choses avec ce produit. Et tout ça, on va le voir dans les tips. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans, mais c'est un méga avantage. C'est vraiment un avantage de fou. C'est qu'on va pouvoir faire plein, 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 plein de choses avec le même produit. Donc, du coup, ce sera dans une deuxième vidéo. Donc, je t'invite à aller la voir dès qu'elle sort, parce que ça risque d'être super intéressant pour développer ta carte de prestation et augmenter le nombre de prestations que tu peux proposer à tes clientes. Et d'augmenter aussi ton panier moyen et donc ton chiffre d'affaires. Donc de créer vraiment, vraiment du business avec ça. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort, surtout vu la conjoncture actuelle. Donc, comme je disais là, une multitude de services qui s'offrent à nous, je pense que c'est aussi un avantage. Et dernier avantage aussi, c'est que c'est un lissage sans formol, donc et sans formaldéhyde, sans tout ça. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de très, 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 très appréciable. Voilà. Donc, ben, on a fait un peu le point sur le lissage kératine. On a vu comment on le faisait, on a vu dans quel cas on le fait pas, on a vu dans quel cas on le fait, on a vu comment on le fait dans tel et tel cas, on a vu exactement comment la cliente devait l'entretenir à la maison, ce qu'elle devait faire et ne pas faire, on a vu de quoi il était composé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai été totalement transparent avec toi, je ne suis pas sur cette chaîne pour faire de la publicité, je suis sur cette chaîne pour te parler produit, pour te parler technique. Et du coup, comme bah, si tu as vu les autres vidéos, je ne suis pas là pour te placer des produits et te dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, achète. Non, on est là
On prend un produit, on le décortique à fond. Et donc, du coup, si tu as envie que je décortique d'autres produits, ben, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à taguer la marque pour que ça, elle me l'envoie et je l'essaye devant toi. Et j'essaye, promis, vraiment de publier plus souvent sur YouTube, de revenir vraiment un petit peu plus en force et de vous donner plus de vidéos, de contenu, de techniques. En attendant, ben, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il y a la suite qui va suivre, il y a la suite qui va arriver avec tous les tips. De tous les services que tu vas pouvoir créer avec le produit qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et en attendant, bah, je te remercie, je te souhaite tout le meilleur. Comme à l'accoutumée, je te dis bah, prends bien soin de tes cheveux et surtout de ceux de tes clientes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là. À bientôt, ciao ciao.